merci, merci. Va. Non, mais voyez, un sport, pour bien en parler quand même, faut le connaître. Hein. Enfin, un sport, faut le pratiquer à fond. C'est vrai, on peut pas faire du sport si on le connaît pas. Maintenant, moi, je m'apprends chez moi, après, j'aurai l'habitude, ça ira mieux. Tiens, regardez, en parlant de sport, il y en a un autre qu'on critique tout le temps dans la vie. C'est le catch. On a toujours dit que le catch, c'était pas vrai, qu'il se faisait pas mal, que c'était du bidon. Ah, ben, moi, je vous dis que c'est pas vrai. Hein. Ils se font mal dans le catch. Moi, j'en connais un. Michel Chenet, champion d'Europe et d'Aulnay-sous-Bois. Eh bien, il s'est battu il y a 3 semaines contre un Américain, John Hutchinson du Connecticut, un noir, à la salle Wagram. Eh bien, quand on voit arriver ces deux gars-là, le John Hutchinson du Connecticut et puis l'autre d'Aulnay-sous-Bois, ben, fallait les voir. Hein. 200 livres d'un côté, 200 livres de l'autre. 200 livres. Au milieu, l'arbitre, quand il se rencontre une crêpe. Bing. Ah non, mais ils se font des prises terribles. Il y a l'autre jour, il y a le Michel Chenet. Il t'a pris le noir, d'un seul coup, clac, et il a fait une main blanche. Un noir. C'est pas quelque chose, ça. Mais des fois, je vous dis, ils sont tellement mêlés, ils se font des prises terribles. Vous savez, des fois, je t'attrape un pied, je te le prends, je te le tortille, je te le tortille, je te le tortille. Quand ils se rendent compte que c'est l'heure, ils posent. Non, mais je vous dis, les sports, faut parler d'un sport, faut le connaître à fond, puis c'est tout.